Bonjour à tous. Cette vidéo concerne donc le BUT, le semestre 1 du BUT, notamment le module qui s'appelle, donc les ressources qui s'appellent Math 2 en mathématiques. Donc nous allons parler aujourd'hui des généralités sur les fonctions. Cette vidéo concerne donc cette partie grand A. Alors, dans ce module, il y a trois parties. Généralités sur les fonctions, celles que nous allons voir dans cette vidéo. Fonctions bijectives et fonctions réciproques. Et calcul intégral. Je vous rappelle que toutes ces vidéos sont accessibles bien sûr sur YouTube, mais aussi sur l'espace numérique de travail ENT MADOC dans l'espace de cours qui s'appelle Mathématiques 2, Math 2. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui des généralités sur les fonctions. En rappelant, je vais commencer par des choses que vous connaissez sûrement déjà. Qu'est-ce qu'on appelle donc dans tout ce cours, on va considérer le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction? Alors, une fonction numérique f est une application qui, à tout réel x de son ensemble de définition d de f, associe un unique nombre y égale f de x, appelé image de x par f. Donc, y, c'est ce qu'on appelle l'image de x, donc par f. D de f, c'est l'ensemble des points qui ont une image par f. Donc, on peut écrire ça sous cette forme-là, c'est-à-dire, on va écrire que l'ensemble des images, eh bien, c'est tous les éléments x, tous les variables, tous les réels, pardon, x qui appartiennent au domaine de définition, ils sont, et ce domaine est inclus dans R, et puis les images, eh bien, sont dans R. Ça, on n'a pas besoin de préciser, forcément. Et donc, on va écrire la notation x associe à tout x, on associe une image f de x. Qu'est-ce qu'on appelle la courbe représentative? Eh bien, la courbe représentative d'une fonction f, qu'on va noter c indice f, même si ce n'est pas une notation réservée, correspond à l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, pour x appartenant à l'ensemble de définition d de f. Alors, on va parler donc des symétries que l'on peut observer. Si f est pair, si et seulement si, pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, moins x appartient à d de f, et f de moins x égale f de x. Je vais donner ici un petit exemple. Ben, c'est la fonction carré, par exemple, que vous connaissez bien. Eh bien ici, pour tout x, si moins x appartient à d de f, et x appartient à d de f, par exemple, je vais prendre moins 2, et ici plus 2, ben ici on aura 4 à chaque fois. Hein, c'est y égale x carré. Eh bien vous voyez que, je vais bien faire le moins ici, vous voyez en fait que f de moins x égale f de x, donc on dit que la fonction est paire et sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe OY. On a x ici et on a y et l'origine O. Changer de couleur en rouge. Et f est impair si et seulement si pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient à d de f et f de moins x égale f de égale moins f de x. Alors un exemple de fonction impaire, on pourrait prendre toujours une fonction de référence. Hein. On pourrait prendre alors x y o et puis je vais faire en bleu. On pourrait prendre la fonction x au cube. Voilà y égale x au cube. Voilà. Eh bien, pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, moins x appartient à d de f. Donc, par exemple, ici, moins 2. Je vais prendre le moins 2 tout à l'heure. Et puis ici, le plus 2. Eh bien, pour plus 2, nous aurons 8. Et puis pour moins 2, nous aurons moins 8. F de moins x est égal à moins f de x pour la fonction x au cube.
Donc voici une fonction. Donc voici deux exemples très simples de fonctions paires et impaires. Continuité et dérivabilité d'une fonction. Alors qu'est-ce qu'on appelle la continuité d'une fonction? La continuité d'une fonction en un point A. Une fonction f est continue en un point A appartenant à D2F si et seulement si la limite quand x tend vers A par valeur inférieure est égale à la limite quand x tend vers A par valeur supérieure. Donc c'est important de différencier si on s'approche à gauche ou à droite. Et ça, c'est égal à une valeur unique qu'on appelle f de A. Donc, si je dessine ce qui se passe sur un dessin, si je fais un petit dessin, on a ici A. Et quand on s'approche, vous voyez ici, par valeur inférieure, ou qu'on s'approche par valeur supérieure, eh bien, on obtient la même valeur, ici, qu'on va appeler f de 1. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on dira que la fonction n'est pas continue en un point A. Et donc, si c'est le cas, on écrit une limite unique, on va dire limite de f de x quand x tend vers A, est égale à f de 1. Quand x tend vers A, c'est sous-entendu, on a le droit de s'approcher à gauche de A sur l'axe des réels, que vous voyez ici, ou à droite de A. Qu'est-ce qu'on appelle la continuité sur un ensemble I? Eh bien, une fonction f est continue sur un intervalle I appartenant, inclus donc dans le domaine de définition, bien sûr, si elle est continue en tout point A appartenant à I. Donc voilà, continue sur un intervalle, ça veut dire continue en tous les points de l'intervalle. Alors vous, pour la continuité, vous avez des fonctions de référence, la fonction carré, la fonction cube, la fonction 1 sur x. Et donc, dans le cours, dans le cours, on vous a dit, voilà, ces fonctions sont continues, il n'y a pas de discontinuité. Et donc, on va considérer donc, que ces fonctions sont continues. Alors, la continuité d'une fonction, on dira aussi qu'on pourra faire établir la continuité de fonction comme étant des composés de fonctions continues. Voilà. La composée d'une fonction continue est une fonction continue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant la dérivabilité? Alors, on va parler donc de taux d'accroissement. Ça, c'est très important parce que vous pourrez en avoir besoin dans les autres modules, dans les sciences. On pourra pour calculer des pentes, par exemple. Donc ici, une fonction f est dérivable en un point A de D de f si le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a a une limite finie lorsque x tend vers a. On note alors la limite quand x tend vers a moins de f de x moins f de a sur x moins a est égale à la limite quand x tend vers a plus de f de x moins f de a sur x moins a. Et on va donner une valeur à cette limite-là. On va l'appeler f prime. Donc f, c'est par analogie à la fonction f. Prime, ça veut dire, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé. Et en a. Donc on apprendra, enfin vous savez déjà dériver, mais on apprendra à dériver tout type de fonction pour connaître justement les nombres dérivés. On écrit alors la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale à f' de a. On va voir ça sur un dessin tout à l'heure. Donc cette limite, quand elle existe, eh bien ce nombre-là, on l'appellera le nombre dérivé. Il y a une autre écriture qui existe, il faut que je vous la donne également. On peut aussi dire que ça revient à écrire la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, et ça sera toujours, effectivement, si elle existe, ça sera f' de a. Donc, pour le montrer, on pose h égale x moins a, donc x c'est a plus h, et donc vous avez, c'est facile à montrer, que finalement, quand on a ça, alors quand x tend vers a, eh bien, h tend vers 0. Et donc, on a ces deux écritures-là qui sont en fait ce qu'on appelle des taux d'accroissement. Donc, de deux choses l'une, si la limite existe à ce moment-là, vous dites c'est le nombre dérivé. Si la limite n'existe pas, eh bien, on dira que la fonction n'est pas dérivable en ce point-là. Alors, même chose, la dérivabilité sur un intervalle i. Une fonction est dérivable sur un intervalle i,
Donc toujours pareil, inclus dans le domaine de définition, hein, sinon on ne parle pas de dérivabilité, si elle est dérivable en tout point A de i. Hein. Je répète, hein, il est évident que si A n'est pas, si f n'est pas défini, on ne va pas se poser la question de sa dérivabilité. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle la différentielle d'une fonction? Ça nous servira un petit peu moins, mais ça permet d'amorcer la notion de développement limité. Soit f une fonction dérivable en A. Alors, si elle est dérivable en A, on a le droit d'écrire que la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égale à f' de a. Il est équivalent d'écrire que f de a plus h moins f de a est égal à h f' plus h epsilon de h avec limite de epsilon de h quand h tend vers 0 qui est égal à 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit cette formule que j'encadre en rouge? Pourquoi est-ce qu'on a écrit cette formule-là? Eh bien, c'est parce que c'est beaucoup plus finalement précis que d'écrire la limite quand h tend vers 0. Parce que quand h, la limite quand h tend vers 0, on ne peut pas ajouter des expressions qui comportent des limites. Parce que quand on ajoute plusieurs choses dont la limite tend vers 0, on ne sait pas si finalement ce qu'on a ajouté tend toujours vers 0. Alors, pour éviter de mettre des limites, en fait, on a ajouté un infiniment petit, ici, qui s'appelle h epsilon de h. L'avantage, c'est qu'on a ici un égal. Parce que si je veux écrire ça autrement, ce que j'encadre en violet, finalement, je pourrais dire que f de a plus h moins f de a sur h est peu différent de f' de a pour h petit. Alors, c'est pareil, cette écriture-là, elle ne nous renseigne pas trop, parce que peu différent, on ne peut pas ajouter des termes, des expressions qui sont toutes peu différentes de quelque chose, parce qu'à la fin, on ne sait pas si on a toujours quelque chose de peu différent à cette somme-là. Donc là encore, ça, ce n'est pas satisfaisant. Donc pour éviter ça et revenir sur une vraie égalité, ici, eh bien, on doit ajouter un infiniment petit. On va le voir sur la courbe juste après. On pose grand delta AH de F, c'est l'écart F de A plus H moins F de A. C'est la différence des ordonnées entre deux points de la courbe C indice F d'abscisse A plus H et A. Et on a alors delta. Alors, pourquoi on met indice AH? Mais ça veut dire au point A et pour une valeur de H donnée. Eh bien, c'est HF' de A plus H epsilon de H avec limite de epsilon de H quand H tend vers 0 est égal à 0. Alors, c'est ce qu'on appellera la différentielle. Donc, définition de la différentielle d'une fonction. La différentielle de la fonction F au point d'abscisse petit a est la fonction qui a H associe H F' de A. Si vous vous rappelez que f' de a, en fait, c'est la pente de la droite, on va voir sur la courbe, hein. C'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Ben, en fait, si on fait cette pente, donc ici je vais faire la courbe, même si on va voir un graphique juste après, hein. Ici je vais faire la pente. Eh bien, quand on regarde finalement HF', c'est quoi? HF', si on se pose ici à H, HF' de A, eh bien, c'est cette distance-là. Hop, ici, c'est H fois F' de A. C'est une ordonnée, si vous voulez, c'est une distance verticale quand on s'éloigne de H à partir du point A. Avec ici la tangente, ici c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Donc c'est la différence entre l'ordonnée du point d'abscisse A plus H de la tangente T et l'ordonnée du point d'abscisse A de la courbe C indice F, c'est ce que j'ai tracé ici sur le petit schéma que vous voyez ici. Lorsque H est très petit, eh bien, le grand delta à H qu'on a écrit tout à l'heure, il est peu différent de df, donc la différentielle de f, en a pour une valeur de h donnée. Alors, notation
différentielle de la dérivée. Pour simplifier la notation, et on aura un graphique juste après qu'on va commenter, pour simplifier la notation, la différentielle de la fonction f au point d'abscisse x est notée donc ici df pour éviter d'avoir le petit a. En fait, on va dire que à h, on associe f' de x fois h. Voilà, ça c'est la différentielle. Et si on considère la fonction identité, donc qui a x associe x, ben, sa différentielle, la dérivée de x c'est 1, donc sa différentielle c'est qui a h associe h. En fait, hein, vous remplacez f' de x par la dérivée de x, donc ça donne 1. On obtient donc une relation entre les deux différentielles df et dx. Eh bien, df c'est f' de x dx, soit encore f' de x c'est df sur dx. Et c'est souvent une notation que vous avez pu utiliser en physique quand vous étiez au lycée. En fait, c'est un vrai quotient, hein, c'est plus qu'une notation, c'est un vrai quotient de la différentielle de f divisé, une vraie division, par la différentielle de x. Alors, cette notation est utilisée dans les sciences parce que souvent on n'a pas qu'une seule variable. On peut avoir x, y, z, t, le temps, v, la vitesse, gamma, l'accélération. Et donc, nous, quand on dit f' de x, c'est sous-entendu par rapport à x, mais on peut avoir des dérivés par rapport à d'autres variables. Donc, cette notation-là nous sera très utile plus tard. On y reviendra dans d'autres modules pour exprimer les dérivés par rapport à une variable. Donc, les différentes grandeurs sont reportées sur le graphique ci-dessous. Et on rappelle que le coefficient directeur de la tangente t à la courbe C indice f au point d'abscisse petit a est égal à f' de a. Ça, c'est un souvenir du lycée. Hein, je répète, le coefficient directeur de la tangente t, c'est la dérivée. Alors, on a un schéma un petit peu plus propre que ce que j'avais fait tout à l'heure. Je vais reprendre ici de la couleur. Donc, de quoi s'agit-il ici? Donc, quelles sont les grandeurs? Ici, on a la tangente à la courbe au point d'abscisse A. La pente de cette droite, la pente, c'est ni plus ni moins f' de A, si vous vous souvenez bien ce que vous avez fait au lycée. Donc la dérivée au point d'abscisse A. Donc si on a ici petit h, vous savez que la pente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ça veut dire que eh bien, cette grandeur-là, si le quotient de ceci par cela est égal à f', ça veut dire que l'ordonnée ici, la valeur de cette partie verticale, c'est h f' de a. C'est ce qu'on appellera la différentielle en a pour une valeur de h donnée. Retenez simplement h fois f' de a. Et vous voyez qu'ici, on a a f de a plus h f' de a. Et puis il y a, alors ici j'ai fait un zoom, donc on voit que cette grandeur est un petit peu, que cette distance est un petit peu grande. Mais si vous voulez, pour pouvoir, si on écrivait, si on s'arrêtait là, en fait on pourrait dire quoi? On pourrait dire que f de a plus h moins f de a plus f de a, on va ajouter f de a plus h. Non, pardon, je recommence. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Je recommence. En fait, on va dire que quelle relation entre f de a, ici en rouge, et f de a plus h? Eh bien, f de a, il faut lui ajouter h f' de a et h epsilon pour obtenir f de a plus h. Sinon, on a quelque chose qui ressemble, qui est proche de f de a plus h, mais qui n'est pas égal. Donc autrement dit, c'est, on va dire que f de a plus h, c'est quoi? F de a plus h, ben c'est f de a plus les deux quantités qui sont là, c'est-à-dire plus h f' de a, qui est connu puisque on connaît la dérivée de la fonction f au point a, plus un infiniment petit, qu'on vous demandera jamais d'expliciter, mais qui existe.
C'est une poussière de poussière. Mais si on ne le met pas, il faudrait mettre ici peu différent. Il faudrait mettre ici peu différent. Si on veut mettre égal, il faut absolument que l'on ait cet infiniment petit qui s'écrit H epsilon de H. Encore une fois, vous n'aurez jamais à déterminer l'expression d'epsilon de H. Mais c'est important pour pouvoir écrire une égalité entre l'ordonnée du point A et l'ordonnée du point M. Voilà, donc ayez en tête ce dessin parce que toutes les grandeurs sont représentées, notamment la tangente et les grandeurs. Donc, ici la distance horizontale verticale sous la tangente et puis ici l'infiniment petit. Alors ici j'ai pris une valeur de h assez grande pour qu'on y voit quelque chose sur le dessin, mais plus h est petit et plus ce point que je pourrais appeler ici n, plus ce point n se rapproche du point grand N. Et donc on dira dans la notion de développement limité on pourra estimer qu'on est suffisamment proche de n pour une valeur de h assez petite, juste en prenant, vous voyez, juste en prenant ces termes-là. Ça sera vrai si h est très très petit. C'est-à-dire que quand h est très très petit, epsilon de h, lui, est petit, multiplié par h qui est très petit, ben, ça fait quelque chose de très très petit. Donc on va dire qu'on peut négliger ça. Mais en tout état de cause, si on veut écrire l'égalité, c'est vrai qu'il faut qu'on écrive tous les termes. Voilà. Donc, j'ai rappelé ici les propriétés de la différentielle. Ce sont les mêmes propriétés en fait que la fonction dérivée. Si on considère la fonction u qui s'écrit k fois f avec k réel, la fonction dérivée u' a pour expression u' égale kf' et la différentielle du est égale à du égale à k df. Le tableau ci-dessous comporte les différentielles les plus utilisées. Bon, si la fonction u c'est kf, ben la dérivée c'est kf prime, ça pose pas de problème pour vous. Et puis la différentielle c'est k df. En fait, on pourrait dire qu'on remplace f prime par df et g prime par dg. Hein, ça ressemble vraiment à ça. Je vais pas tous les lire. Peut-être f sur g. Ben, la dérivée, c'est f'g moins fg' sur g carré, que vous connaissez. Et bien, la différentielle, vous remplacez f' par df et g' par dg. Voilà. Je vais revenir sur la notion de développement limité que j'ai abordée il y a quelques minutes. Soit f une fonction dérivable en a. On a alors, vous vous rappelez, la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h qui est égal à f' de a. Vous vous rappelez, c'est le taux d'accroissement. Si je reviens sur le dessin, f de a plus h, on est ici, moins f de a sur h, eh bien ça sera ici cette pente, donc ça sera la dérivée. Je reviens ici, pardon, ici. Il est équivalent d'écrire que f de a plus h est égal à f de a plus hf prime de a plus h epsilon de h avec limite de epsilon de h égale à 0. Encore une fois, on ne vous demandera pas de trouver l'expression d'epsilon de h. Hein. C'est juste il est juste nécessaire pour qu'on puisse avoir le droit d'écrire ici égal. Voilà. Cette égalité traduit le fait que la valeur de f en a plus h est la somme d'un polynôme de premier degré f de a constant plus h f' de a, effectivement, ça sera un polynôme avec la variable qui sera non pas x mais h, et d'une fonction h epsilon de h qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Le second membre f de a plus h plus h f' de a plus h epsilon de h constitue un développement limité à l'ordre 1 de la fonction f en a. Ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à remplacer une fonction, toute fonction, par ici un polynôme de degré 1. Voilà. Donc, ça peut avoir une utilité quand on veut notamment lever les indéterminations sur une limite. Alors, développement limité en 0, soit f une fonction dérivable en a égale à 0. Si on remplace h par x, c'est peut-être un peu plus intuitif. On obtient un développement limité à l'ordre 1 de f en 0. F de x, il s'écrira f de 0 plus
x f' de 0 plus x epsilon de x, encore une fois, epsilon, vous n'avez pas besoin de le déterminer. Quelques exemples. Si on prend la fonction sinus x, donc sinus 0, ben, ça fait 0, et puis la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc en 0, ça fait 1. Autrement dit, sinus x va s'écrire 0, je le mets quand même, pour voilà, plus x. Alors, plus x epsilon de x. Alors, vous voyez, en 0, on a pu remplacer la fonction sinus x par un polynôme de degré 1, qui est le polynôme x. Ax plus b, avec b qui vaut 0, et a qui vaut 1, ça fera x. Donc, on a remplacé, en fait, sinus x par 0 plus x. Ce que je vais souligner ici, là, ça, en fait, c'est l'équation de la tangente à la courbe sinus x en 0. En fait, on remplace la fonction par l'expression de sa tangente en 0, et on peut même dire que c'est la meilleure approximation à l'ordre 1 que l'on puisse avoir. Faisons pareil avec la fonction suivante, exponentielle x. Alors, exponentielle 0, ça fait 1. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. En 0, ça fait 1. Donc, ça sera 1 plus 1 fois x. Donc, ici, l'approximation par un polynôme d'exponentielle x à l'ordre 1, ça sera 1 plus x. Et en fait, 1 plus x, encore une fois, c'est l'expression de la tangente, l'équation de la tangente à la courbe en exponentielle x en x égale à 0. Essayons avec ln de 1 plus x. Alors, ln de 1, ça fait 0. La dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. En 0, ça fait 1, donc ça fera x. Là encore, x, c'est l'équation de la tangente à la fonction ln de 1 plus x en 0. Et puis, on peut faire pareil avec 1 plus x puissance n. Donc, f de 0, ça fera 1 puissance n, ça fait 1. Et puis, la dérivée de 1 plus x puissance n, eh bien, c'est n fois 1 plus x puissance n moins 1. Et donc, voilà, n moins 1. Et donc, en 0, ben, ça fera n. Donc, on aura 1 plus nx. Donc, là encore, c'est l'expression de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Et puis pour finir, racine de 1 plus x, en x égale à 0, ça fait 1. La dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 2. Je vais l'écrire. La dérivée de 1 plus x, c'est égal à 1 sur 2 fois la racine de 1 plus x. Donc en x égale à 0, ça fait 1 sur 2 fois 1, ça fait donc 1 sur 2. Donc ça fera 1 plus x sur 2. Et bien voilà comment remplacer, entre guillemets, racine de 1 plus x par un polynôme, ici c'est une équation d'une droite, en 0, quand x tend vers 0. C'est quoi cette expression? Cette expression, c'est la tangente à la courbe racine de 1 plus y égale racine de 1 plus x au point d'abscisse 0. Donc on va remplacer, on peut remplacer ce qu'on appelle un développement limité à l'ordre 1, la fonction par l'équation de sa tangente. À quoi ça sert? Eh bien ça servira, autant on ne sait pas retrancher racine de 1 plus x et ln de 1 plus x, par contre on sait retrancher deux polynômes. Et donc du coup on pourra trouver des limites, notamment par exemple en 0. Ça servira à ça. Donc, mais c'est bien d'avoir la notion de développement limité puisque ça fait appel aux dérivés et aux fonctions. Équation de tangente et concavité. Alors, ça fait un moment qu'on parle des tangentes depuis tout à l'heure, parce qu'on en a vu tout à l'heure sur le graphique et on a vu aussi que l'équation de la tangente, en fait, c'est le développement limité à l'ordre 1 d'une fonction. Je vous rappelle l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est une équation qui a cette forme-là, si on parle
soit f une fonction dérivable en un point A, l'équation réduite de la tangente t à la courbe C indice f au point A d'abscisse petit a, a pour expression, à connaître par cœur, y égale f' de a, qui est connu puisque la fonction est dérivable, fois x moins a, plus f de a, qui est connu puisqu'on connaît la fonction. Donc on a une forme y égale petit a. On a une forme de la forme y égale, alors je ne vais pas prendre a parce que ça va porter à confusion, de la forme ax prime plus b prime. Une forme ax, on ne peut pas dire ax plus b parce qu'on a déjà utilisé a comme étant le point dont on cherche l'équation de la tangente. Qu'est-ce qu'on appelle la concavité ? Soit f une fonction de deux fois dérivable sur un intervalle i inclus dans le domaine de définition. Si les intervalles où f seconde est la dérivée seconde donc est positive, la courbe représentative C indice f est située localement au-dessus de ses tangentes, on dit que C indice f tourne sa concavité vers les y positifs. Sur les intervalles où la dérivée seconde, donc c'est quoi la dérivée seconde? Je rappelle, c'est la dérivée de la dérivée. Si cette dérivée seconde est inférieure à 0, la courbe représentative C indice F est située localement en dessous de ses tangentes et on dit que C indice F tourne sa concavité vers les Y négatifs. Les points où C indice F, de C indice F d'abscisse X tel que F' de X s'annule, en changeant de signe, attention, sont appelés des points d'inflexion. En ces points, la tangente traverse la courbe C indice F. Alors, dans toute cette zone, la dérivée seconde est négative, et bien vous voyez que finalement, on dit que donc, C indice F tourne sa concavité vers les Y négatifs. Ici, on a un point d'inflexion, I. Et puis, on se retrouve ici avec la dérivée seconde positive, c'est-à-dire que on dira que C indice F tourne sa concavité vers les y positifs. Alors attention, il ne faut pas uniquement que la dérivée seconde s'annule, il faut aussi qu'elle change de signe. C'est un petit peu ce qui se passe pour quand vous cherchez un extrémum. Eh bien, vous cherchez à savoir si la dérivée s'annule et vous regardez si elle change de signe. Si elle change pas de signe, c'est qu'on n'a pas d'extrémum. Alors, c'est ce que j'écris ici, si la dérivée seconde s'annule sans changer de signe, alors il ne s'agit pas d'un point d'inflexion et la concavité ne change pas. Donc voilà pour... Donc c'était juste la partie A, on cherchait juste à regarder tout ce qui concernait les généralités sur les fonctions. Il faut vraiment bien maîtriser cet ensemble parce que ça sera important pour la suite, notamment le taux d'accroissement, et puis bien avoir en tête ce graphique ici qui permet de bien comprendre les différentes grandeurs qui sont en jeu, et puis de vous souvenir qu'en fait on peut remplacer localement, c'est ce que j'ai écrit ici, on peut remplacer localement l'expression d'une fonction par un polynôme. Alors, de degré 1, on dira développement limité à l'ordre 1, ou alors de degré 2, de degré 3, de degré 4. Vous verrez ça dans la suite des prochains modules. Et puis ici, pour le degré 1, se souvenir qu'il s'agit en fait de l'équation de la tangente au point ici d'abscisse 0. Voilà, c'est important de se souvenir qu'on est capable de remplacer une fonction par sa dérivée. Ici, le dessin est très dilaté, mais vous voyez que plus on est proche du point, je vais faire un zoom ici, je vais faire un zoom de ce qui se passe là. C'est l'avantage d'être en vidéo plutôt qu'en amphi. Ici, si je fais un zoom de ce qui se passe là, donc le point A va être très très grand. C'est l'effet zoom. Donc je fais un zoom ici, j'ai la courbe, et puis je vais faire en violet la tangente. On a même du mal à voir où se trouve le trait rouge de la courbe et le trait violet de la tangente. Ben vous voyez que
qu'ici, on aura A. Vous voyez qu'ici, si je suis très très proche A plus H, je fais exprès de prendre une valeur de H qui ressemble plutôt à ce qu'on prendra dans la réalité. Vous voyez qu'ici, et je vais encore refaire un zoom sur le zoom, hop, je vais faire encore un zoom sur le zoom. Vous voyez ce qui se passe ici, ben, j'ai le trait rouge de la courbe, et puis j'ai le trait violet de la tangente, et bien c'est vraiment très très proche, et plus H sera petit, plus on sera incapable d'avoir des stylos, de tracer les deux sans les deux traits sans qu'ils ne se chevauchent en fait. Hein. On a fait un zoom ici. Hein. Et donc, c'est une très bonne approximation. En fait, c'est la meilleure approximation qu'on puisse avoir à l'ordre 1 en prenant l'équation de la tangente. Ici, on a la tangente. Et ici, on a C indice F. Alors, on se reverra en amphi. Vous pourrez poser vos questions. Je vous demande simplement avant vous de vous pencher sur le problème, de regarder, de relire, de prendre des notes, de prendre des notes au brouillon et puis de revenir avec vos questions. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.